Sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be skirting now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. Les amis, du coup, nouvelle vidéo. On va faire très vite parce que là je vais devoir aller aux essais libres. Donc aujourd'hui on se retrouve à Cesdien, circuit que vous connaissez tous, pour le championnat Genevois. On a déjà fait pas mal de vidéos ici. Et aujourd'hui, première course avec la 125. Donc j'ai hâte, ça fait un mois que j'ai pas roulé, ça va être un peu dur. Mais on s'en fout, on est là pour s'amuser, il y a toute une clique de fou juste là, tu vois, tous les collègues, donc on va bien s'amuser, il y a pas mal de gens qui doivent venir voir. Bref, je vais à mon essai et je vous explique par la suite comment ça va se dérouler dans la journée. Là ça fait rire hein. Ça va, j'ai pas eu le temps. Ça va Eddy? Ah bah j'ai pas eu le temps. Pourquoi t'as pas eu le temps? Parce que je dois bouffer avec des cons la semaine, aller au resto au lieu de faire les vidanges. Voilà. Putain de merde. Fais un sourire à la caméra. Bon les amis, alors on se retrouve. On vous a sauté les étapes un peu chiantes de cette journée. Attends, je vais vous expliquer comme il faut. Donc du coup, ce matin on a commencé la vidéo avant les premiers essais. Tu as dans cette course, tu as un essai, en fait ça se passe comme en France. Tu as un essai libre, où tu testes la piste, il n'y a rien qui se passe. Après tu as un essai chrono, où il faut faire le meilleur temps pour être bien placé sur la grille. Et là la différence c'est qu'il y a deux groupes ici, parce qu'il y a trop de monde. Donc en gros, si tu fais deux groupes de combien? De groupe de 40 en gros, okay. Tu vois. Donc si tu fais un chrono mauvais, tu te retrouves avec les moins bons, tu vois. Et si tu fais un groupe, enfin un chrono bien, tu te retrouves dans le groupe 1, mais du coup ça envoie. Donc du coup moi j'ai fait au chrono deuxième de mon groupe, et du coup là ils ont regroupé les deux meilleurs, parce que dans chaque groupe il y a des bons et après ils regroupent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour différencier ceux qui vont vraiment vite et ceux qui commencent un peu, tu vois. Ok, parce que ce matin c'était pair et impair au niveau des sessions. Et du coup, au final, là, les deux groupes cumulés, je me retrouve 5ème niveau chrono. Donc je pars 5ème sur la grille. En gros, 5ème sur 80. Ouais, en gros. Niveau ouais. Des chronos. Voilà. Et du coup, bah voilà, je crois qu'avec mon petit 125, je suis à peu près le seul. parce que devant, c'est des 4,5. En fait, c'est tout mélangé, ouais, 2,5, 4,5. Oui, il y en a peut-être un autre, mais je crois que je suis un peu le seul. Et là, on va attaquer les manches. Donc première manche, et puis bah après, deuxième manche, comme en France, et après, fin de journée. On va voir comment ça se passe, j'espère que ça va aller. En tout cas, le terrain est pas mal, franchement, et on verra bien ce que ça dit. N'empêche, 5 sur 80 pour un mec qui a pas roulé, qui roule ouais, de temps à autre. C'est très bien d'en venir, JM, parce qu'en fait, les gars, du coup, si jamais ça fait un mois que j'ai pas roulé depuis la vidéo Italie là qu'on vous a fait après Noël. Ouais, puis le first one, le premier là, lui, il va toutes les semaines. Voilà, donc en gros, sur un tour chrono, ça, c'est jouable du coup de faire des bons temps. Mais là, il va falloir tenir longtemps parce que les manches, c'est 20 minutes plus 2 tours, donc ça fait 25 minutes. Autant vous dire que je vais carrément en chier. Mais on y croit, on est là pour s'amuser. Donc ça va le faire. Ouais. Ouais Ricky. Si jamais Sand l'avait pas filmé, mais il a changé la cartouche, il a mis une vieille de il y a 4-5 ans qui traînait dans son garage et qui va beaucoup mieux qu'avant. Là c'est la moto de Ferrari, la star du X, qui nous a pris un kit déco, un joli kit déco qui arrive pour renouveler l'ancienne, parce que c'est sa nouvelle moto. Il a fait une place pas trop mauvaise pour l'instant. Bon là il y a Nathan aussi à la compète avec sa 85 SX. Bon il est tombé, il s'est fait un peu mal à l'épaule. Mais on regardera tout à l'heure au chrono, normalement c'est pas si mauvais. Mais voilà, on vous tient au jus. Préparateur en fer, préparateur avion, aviation. Là on trouve l'éternel Cafou. Cafou toujours dans la compétition. Qui a malheureusement fait une décote monumentale sur sa moto du fait de sa chute ce matin. Chute, cassage de peau. Gros trou dans le pot, ça c'est pas très beau. Mais bon, c'est pas grave, il est toujours en tête dans la compétition. Accompagné de son fidèle acolyte de la M2S, fin prêt aussi sur son nouveau bolide tout neuf. 2023. 2023, c'est parti. On va essayer de pas finir dernier. Ça va pas faire rire les mouettes là, ça se voit. Exactement. Attention, interview exceptionnelle. Depuis 4 ans, Martin vient d'acheter sa première paire de gants. Et ce n'est que le début d'un grand investissement. Ouais, parce que là on était sur un forfait à combien d'euros, Martin? 29 je crois, 29 euros. Les gants? Ouais. 39. 39, oh là parce que c'est... 40.
C'est qui t'a volé pour ce prix-là là. C'est l'escroc Alp Moto Anas. Donc voilà, nouvelle paire de gants, enfin depuis des années on les attendait. Red. Ah ouais, ouais. Il y a quelque chose qui va venir s'assortir à ça dans les prochaines vidéos, vous verrez. Ça, c'est, si jamais c'est Fred le fleuriste que je vous ai dit. Fred ! Il a fait tomber Fredo tous les enfants. Il a fait tomber tous les enfants, mais c'est pas grave, on lui en veut pas trop. Chance, pour ma gueule. C'est mon coach. Ah. My new coach. Ouais, je suis en train de lui. À ne pas emmerder, s'il te plaît. Je suis en train de lui montrer comment ça va se passer là, tu vois. Ah, je vois le concept. Ouais. Il va repartir mal, mon copain. Wesh la team, ça gaz ou quoi? Ça va. Bon, je vais terminer ta petite chute. Ouais, bon, c'était vraiment pas une chute à douleur, hein. C'était une petite glissade du seigneur. Je vais bientôt m'élancer pour la deuxième manche. Donc bon, la première, t'as fini combien? 8. 8? Ouais, bref, départ vraiment pas top, au final je me faufile un peu comme je peux. Mais je crois que vous êtes que 20 par contre que sur la ligne de départ. Exactement, pas voilà, 40. C'est ça le malentendu, exactement. Alors quand je faisais du France, c'était pareil que ce que je vous ai expliqué ce matin, par contre on était 40 et 40. Là on est 20, ouais on est 20 dans ouais, le groupe. 25. 20, ouais, un truc comme ça. Bref, mais du coup... Il y a combien de 125 avec toi? Enfin, il y en a pas, qu'une devant toi je crois. Ouais, donc du coup je me suis battu tout le long avec une 125. Et au final, il m'a passé un tour avant la fin, et en voulant le repasser, je suis tombé. Après, il n'y avait plus personne derrière, parce que vu qu'on se battait tous les deux tout le long, bah, on les a distancés. Donc après, j'ai fini deux tours tranquille. Et voilà, fin de la première manche. Là, on va voir ce que ça donne. Le terrain est sec béton, il y a le contre-jour qui vient d'arriver, il y a de la poussière. Donc, on va voir comment ça se passe, mais on va pas faire les fous pour la fin de la journée. C'est parti. Bébé, explique-moi pourquoi à chaque fois il vient préparer sa place, dodo. On va partir plus vite. Pourquoi? En gros, il fait quoi? Bah, il tasse sa trace, il met sur la grille un peu plus de terre pour pas que ça lui mette un gros coup. On va plus vite. Sept.
on va rejoindre les gamins, les parents, voilà quoi. Le tonton, la tata, et puis voilà quoi. Une belle journée en perspective. Ça fait plaisir de vous revoir sur un terrain, monsieur. Bah, plaisir partagé, monsieur Ducret. Belle performance, Team Honda. Ouf, Team Honda Racing. Ouais, premier de la fin. Hein. GM là-bas. Que du TMB Land de partout. Ouais. Un TMB Land de partout. Par contre, le mec en rouge, il a un gros TMB Land. Ah, j'ai cru t'allais dire, il a un gros cul. Ouais, il a un gros TMB Land. Oh, Fredo. Oui. Fredo, bientôt TMB Land. Fredo, star du X International. Exactement. J'ai dit Fredo, bientôt quoi? J'ai dit bientôt TMB sur lui aussi. Ça marche. Ça marche. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, j'ai pas été voir pour la deuxième manche. J'ai dû faire, je crois, bah pareil, 7 ou 8, un truc comme ça. Jérôme vous l'écrira là parce que je vais aller voir plus tard. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit truc comme ça, tranquille. Et n'hésitez pas à nous suivre de partout, n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaise, à nous le dire, parce qu'on a 2-3 petites courses cool qui vont arriver dans la saison, sans en faire plus. Et ça fait mal au bras ou pas? Alors, oui, bien sûr. Enfin, il manque, enfin, tu sais, c'est un tout le physique, c'est les bras, le cardio, tout. Ah mais genre, c'est ton bras qui avait... Ça, non. J'ai eu un petit truc un peu bizarre à la fin de la première manche, genre des petits, comme des fourmis, et ça m'avait fait plein de plaques rouges, JM, tu vois. Ouais. C'était bizarre. Mais... Mais ça va, dans l'ensemble ça va, content de mon bras et puis on verra par la suite. Mais pour revenir à ça, niveau bras et souffle et tout, j'ai encore un peu de mal parce que là ça fait un mois que j'ai pas roulé et qu'ici c'est des manches de 25 minutes, c'est hard, mais c'est des super entraînements. Donc je vais revenir dans 2 semaines ici. Si vous voulez la même vidéo ou du même style, vous nous le dites parce qu'on vous en refera une. Et après, pour, je le dis ici en vidéo, les gars, avec Jérôme on sera au salon du deux roues à Lyon et je ferai la course en intérieur là-bas en 125 avec ce petit bolide. Donc si vous voulez nous voir et tout, vous n'hésitez pas. On est absolument ouvert, vous venez nous faire un petit coucou et discuter, il n'y a pas de souci. J'espère que la vidéo vous aura plu, je cut ici. Jérôme, rien à rajouter? Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à nous suivre de partout et à donner vos avis en commentaire. Les mecs, ciao!